Somebody did what? Il y a un mètre de long. On lui disait que tu es passé en tête. On va dire quoi aussi. C'est bon. Ah, est-ce que vous signez à fond? Tchamou Sapi. Tchamou Sapi. Tchamou Sapi. Voilà. Tchamou Sapi. Bon temps. Coach. Coach. Nous venons d'assister à une cérémonie de la signature des contrats avec Manima Union de Kindu. Est-ce que ça vient du fond du cœur? Oui, effectivement, c'est un plaisir de rejoindre l'AS Maniema. Et cette signature fait en sorte que je puisse donner le meilleur de moi-même encore dans l'effectif de l'AS Maniema. Tu es arrivé depuis quelques jours, maintenant une semaine on dirait. Est-ce que ça vous plaît d'être avec les nouveaux coéquipiers, avec les groupes? Oui. Ça me fait vraiment plaisir de rejoindre le groupe et de rejoindre mes coéquipiers dont j'ai discuté avec eux déjà par téléphone. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, très très heureux de rejoindre l'AS Maniema. Très très heureux vu le plan sportif du groupe. Qu'est-ce que tu promets aux supporters de Maniema Union de partout en RDC? Bon, je promets les supporters de l'AS Maniema et partout en RDC qu'on fera mieux que la saison dernière. Et je vais donner le meilleur de moi-même cette saison afin que nous puissions aller loin dans les compétitions qui nous attendent. Et vous êtes là pour combien de temps? Bon, j'ai signé un contrat de 2 ans et parmi ces 2 ans, je ferai tout ce qui est à moi possible de relever les couleurs de l'AS Maniema très haut. Okay. Elle est pour signer un contrat dans Maniema Union. Contrat ango na kati ko signé pour la fin de saison et na sentiment ni nos anango après signature contrat. On a un sentiment de satisfaction parce que na oti ko s'engager na Maniema Union pour un contrat de 3 ans, donc ça linga bien et tout beta
et puis équipe et qu'il y a encore des problèmes possibles. Comme premier message, va supporter à Manu Manu. Non, le Baba encore, chance. On est là, groupe Ali. Donc, tu y es, tu es là, tu es là, donc, tu es là, 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 tu. Merci beaucoup. Pour nous, nous avons reçu un message. Comme nous avons reçu Tichik Mosengo, nous avons reçu ASV Club, nous avons reçu Takuna. Pour nous, nous avons signé à Manye Maignon. Nous avons fait le joueur à Manye Maignon, nous avons intégré le groupe à Manye Maignon pour nous reçu la Coupe d'Afrique. Vous signez à Manye Maignon pour combien? En fait, nous avons reçu à Manye Maignon, même pour 5 ans, nous avons reçu à Manye Maignon. Le message que nous avons reçu, bas supporters pour la manière maïnio basa dans le monde message n'a pas ça précisément à Kindu. En fait message n'a pas ça va toi Kindu pour la première fois n'a aucun de Kindu dans la jeune où on a intégré équipe première fois donc basa la carte toujours si malangai bon mon bon mon nom ça y est que c'est passé dans le bien. Alors, il y a plus important c'est ça. Okay. On s'appelle Kikapia, vous venez d'enregistrer quoi? Nouvelle recrue cette saison qui vient de signer officiellement. Vraiment, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui avait motivé votre intérêt sur ces joueurs-là? Bon, d'abord, pour moi, c'est un motif de satisfaction parce que ces jeunes gens, ils ont du talent. Si le staff technique a pu les détecter, ça prouve qu'ils ont du talent. Vous savez, il y a deux Congolais et un Gabonais. Les Gabonais, c'est un international gabonais que nous avons et qui est à titre définitif au sein de Manye Maignan. Et les deux autres, ils viennent de l'ASV Club. Bon, ils ont préféré venir chez nous. Je crois que ce sont des grands. Vous-même, vous les avez interviewés. Et je crois qu'ils auront apporté quelque chose de plus dans Manye Maignan. Quelles sont vos ambitions cette année ici, dans la compétition africaine? Bon, certes, je l'ai toujours dit. Nos ambitions sont vraiment, sont en fait les objectifs que nous nous sommes assignés pour la Coupe de la Confédération. Dans un premier temps, c'est d'arriver dans la phase des poules. C'est ça notre objectif. C'est pourquoi nous avons ciblé sur des jeunes qui ont du talent, qui ont de la capacité, capables de faire la différence pendant toutes les rencontres que Manye Maignan aura à livrer en Coupe d'Afrique. Pour la championnat national. Oui, pour la championnat national. Et Val dirait, qu'est-ce que ça sera facile pour vous? Bon, certes, ça ne sera pas facile. Moi, je crois que cette saison, le championnat sera à un niveau élevé. Ça, je le vois quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans d'autres clubs. On sent que tout le monde est en train de se préparer sérieusement. Et Manye Maignan ne reste pas aussi le bras croisé. Hein. C'est parce que cette année, Manye Maignan s'est dit, c'est la coupe, c'est la Lina Foot, s'est donné aussi comme objectif de gagner la Lina Foot, en fait. Un Gabonais international, déjà revenu d'un grand club du pays, la Svita Club, c'est un signal fort que vous envoyez? Oui, c'est un signal fort que nous envoyons à tous nos challengers pendant la Lina Foot et en Coupe d'Afrique. Hein. C'est un message fort que nous sommes entrés dans, des signaux forts que nous sommes entrés d'envoyer aux uns aux autres pour que quand ils se retrouvent face à Manye Maignan, ils doivent se dire que c'est pas quelque chose à négliger. C'est-à-dire qu'il faut prendre Manye Maignan au sérieux cette année. Corto, vous avez des supporters partout en République démocratique du Congo et presque même ailleurs, au Gabon, par-ci par-là. Quel est le message que vous allez leur devoir annoncer avant le début de cette saison? Bon, le message, c'est qu'ils observent la prestation de leur équipe, qu'ils apportent leur soutien, qu'ils soient de cœur avec les joueurs qui sont au sein du club. Nous avons besoin de la part de tout le monde, des supporters qui nous regardent, en particulier ceux de Kindu. Ils savent que nous sommes loin de Kindu, mais ils sont en train de nous suivre tout ce que nous faisons. Qu'ils aient confiance en nous, que cette année, ce sera une année de grandes actions, une année de différence pour Manye Maignan. Okay. Cordon, nous vous remercie. C'est moi qui vous remercie.